sur les réseaux sociaux, d'autres Camerounais ont réagi après cette sortie du porte-parole du gouvernement, le ministre René-Emmanuel Sadi, qui dénonce l'ingérence, selon lui, de la communauté internationale du Parlement européen dans une affaire qui concerne les Camerounais, et ceux-ci qui critiquent la sortie du gouvernement, estimant qu'il devait d'abord en priorité résoudre la crise anglophone et apaiser les tensions politiques au Cameroun, des réactions sur les réseaux sociaux captées par Gladys Sidié et Amos Fanga. Les internautes ont passé au peigne fin la sortie du porte-parole du gouvernement au sujet des déclarations des parlementaires européens sur la crise anglophone, la sécurité nationale et les atteintes aux droits de l'homme au Cameroun. Malgré leur avancée, ils ont attendu la communication qui a été faite très tard, telle que relevée dans plusieurs commentaires. Concernant le contenu de la communication de René-Emmanuel Sadi, plusieurs ont estimé qu'elle manquait de contenu, estimant qu'une gymnastique sans dialogue national serait vaine, puisqu'on ne peut pas construire un pays émergent dans le désordre. Parmi les multiples réactions, celle des hommes politiques. Bibou Nissak, porte-parole du RC, critique cette communication du gouvernement camerounais, qui selon lui vient étaler son ignorance du droit camerounais et des engagements internationaux, librement consentis par notre patrie. Selon lui, le gouvernement se contredit, avance par reculade. Il qualifie cette conférence de conférence fébrile. Le ministre de la Communication a aussi dénoncé l'ingérence de l'Union européenne. Une incongruité, selon le cinéaste Jean-Pierre Bekolo. Au-delà du Cameroun, ce que répond Yaoundé à l'Union européenne est que celle-ci ne devrait plus jamais se mêler, quand bien même on ne serait encore qu'au niveau d'une résolution à ce qui se passe au-delà de ses frontières. Il s'interroge sur la vision du monde où les nations seraient aveugles et sourdes aux cris de détresse de leurs semblables sous prétexte qu'une frontière nous sépare. Pour Marianne Simone et Canet, les Européens doivent rester chez eux et laisser les Camerounais régler les problèmes du Cameroun. Comme les Algériens, nous patriotes camerounais, nous vous envoyons le même message. Ce ne sont pas vos affaires, sans façon. Merci de vous en tenir éloignés, écrit-elle sur son compte Facebook. Le discours du gouvernement a toutefois évolué au sujet des actes de vandalisme enregistrés dans les ambassades du Cameroun en France et en Allemagne. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que des individus non identifiés ayant posé des actes d'effraction, de destruction et de mise à sac des ambassades à l'étranger sont poursuivis sous X. Réaction qui accable davantage le régime selon plusieurs, puisqu'elle contraste avec la sortie du ministre de la Communication quelques mois plus tôt dans une radio française. Une séquence qui a été tournée en dérision sur les réseaux sociaux par des internautes qui estiment que le gouvernement a fait un rétropédalage suite à la plainte du MRC contre le ministre de la Communication. Le sujet alimente les débats, la toile s'embrase, les commentaires fusent de toutes parts. Après les sorties des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et cette communication du porte-parole du gouvernement camerounais, le débat est loin d'être terminé.